Alors, je vais ajouter le texte. Puis, ça te permet d'envoyer un SMS pour une clé électronique. Donc, je vais essayer d'envoyer une clé électronique. Pour l'envoyer, tout d'abord, tu dois taper le message que tu as envie d'envoyer, que tu envoies. Donc, je vais faire quelque chose. Bon, attends, je tape quelque chose. Après, ça va venir ici. Alors, ici, il me demande d'entrer l'email du destinataire. Le destinataire, je vais faire. Je vais taper sur l'adresse électronique. Je vais faire 7. À la base gmail.com. Ici, il me demande de mettre l'objet du mail. En fait, l'objet du mail, cela veut dire si tu essaies d'envoyer des salutations ou bien tu essaies d'envoyer quelque chose. Donc, si cette salutation est une salutation, et après, je fais envoyer. Je fais envoyer et mon adresse. Mon courrier sera envoyé. Plus, si je veux envoyer un SMS à quelqu'un, j'ai déjà tapé l'SMS, je viens ici, je fais SMS, et tout d'abord, je saisis l'indicatif du pays que je veux envoyer mon SMS. Donc, si je veux envoyer un SMS ici au Sénégal, je fais le 221. Je fais le 221, qui est l'indicatif du Sénégal. Si c'est un autre pays aussi, je tape leur indicatif. Donc je fais le 77 656 94 32, qui est mon numéro, et je fais envoyer SMS. Il me demande d'attendre et après le SMS est envoyé. En plus, l'éditeur de texte, ça te permet d'avoir une rapidité de frappe. Et en plus, ça te permet aussi d'avoir une maîtrise du clavier. Une maîtrise du clavier, donc je pense que c'est pour cela qu'est l'éditeur de texte. Okay. Et merci Mohamed. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu trouves les approches, l'utilisation des approches de la BAI sur la plateforme? D'accord. Bon, je les trouve intéressantes parce que ça leur permet d'avoir une connaissance, une connaissance envers l'internet. Ça te permet aussi d'apprendre certaines choses dont tu n'as pas eu à apprendre, apprendre dû aux arrêts prématurés des adultes. En fait, je le trouve intéressant. D'accord. Et en tant que leader dans le pays, est-ce que tu peux me dire si tous les apprenants sont autonomes à ce jour sur la plateforme? Oui. Je peux dire qu'ils sont autonomes à ce jour parce qu'ils n'ont pas rencontré des problèmes de compréhension, comprennent bien, dû à la facilité, de la plateforme. Donc, je pense qu'ils sont autonomes aujourd'hui à aller se connecter partout où ils veulent. Donc, je pense que ça ira. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous.